Bonsoir, chef Foloz. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de la qualité des pépinières. Je suis Yaya Goudjabi, depuis la Casamance, au sud du Sénégal. Voilà donc la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler uniquement de pépinières. Voilà donc, je suis là sur. Devant des pépinières que vous allez regarder, qu'on a déjà mis sur des gaines. Voilà. À ce niveau, c'est la petite. C'est des petites plantes de pépinières. Voilà. Donc, en majorité, les porte-greffes que nous avons utilisées ici, ce sont du Volca. Parce que rares sont des porte-greffes de qualité Volca que nous. Du moins, Brigadier que nous utilisons. Brigadier est beaucoup plus résistant, mais le Volca est plus rapide en matière de croissance. Donc, vous avez vu, c'est des pépinières bien entretenues qui sont là. Pour vous dire que tout est disponible. Là, c'est en petite taille. Ce n'est pas encore au niveau où on peut les greffer. Donc, toujours ça continue. Maintenant, les grandes tailles sont là. Vous avez vu. Les greffes ont commencé. On a commencé à les greffer à ce niveau-là depuis là. Vous avez vu. Voilà. Donc, c'est des plantes déjà greffées. Bon, je vais me mettre de l'autre côté parce que là, le soleil est encore là. Malgré qu'il fait 17 heures, il fait 17 heures, le soleil est encore là. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis l'étranger, le temps est un peu différent. C'était en Côte d'Ivoire, là, pratiquement à 17h, 18h moins, il fait sombre. Mais là, on regarde et le soleil est encore là. Voilà, donc, les pépinières sont là. Regardez les pieds pour vous dire que c'est déjà bien pour être planté. Voilà. Donc, je vais soulever. Vous avez vu, c'est des pépinières en perte de vue. Je vais avancer. La plante dépend. Maintenant, la bonne santé de la plante dépend du bon entretien que vous avez de vos pépinières. Tout ça, ce sont des pépinières disponibles sur place. Voilà. Maintenant, pour ceux qui demandent le prix, hein, voilà. Donc, l'année dernière, depuis pas mal d'années, tous les pieds étaient à 1000 francs. Maintenant, tous les villageois sont réunis pour dire que la vie est devenue beaucoup plus chère et que désormais tous les pieds de pépinière c'est à 1500. Voilà donc c'est un prix que les gens ont fixé. Il faudrait pas que d'autres demandent. Bon, continuez à demander pour savoir combien ça coûte. C'est un prix pour tout le monde. 1500 désormais c'est le pied. Maintenant c'est selon aussi des variétés. Le prix ça ne dépend pas. Maintenant la commande dépend des variétés que vous voulez. Nous avons le Tangelo. L'orange Tangelo, très juteux, comme je l'ai expliqué, très juteux. Nous avons la clémentine espagnole, nous avons également le soliciana espagnol, nous avons, comment on appelle encore, du tangor, c'est les oranges, nous avons du marcellina, voilà, tout est là, ce sont des oranges, cette variété que je cite. Nous avons du, bon, localement on l'appelle domodir, tu sais. Les variétés, c'est des variétés souvent importées et que les gens cherchent souvent des noms qui ne sont pas des noms conventionnels. Voilà, c'est des noms. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des pépinières jusqu'au bout de l'autre côté. Donc, ceux qui se posent la question à savoir si les pépinières sont disponibles, ils sont vrais, ils sont là. Tout est là. Tout est là. Des pépinières de très bonne qualité. Tout ça, ce sont des pépinières, ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez jusqu'au fond, c'est des pépinières. Donc, à vos commandes. Et n'attendez pas, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, n'attendez pas que toutes les conditions soient réunies pour passer à l'acte. Voilà, donc. Venez, investissez l'Afrique à
besoin de ce genre d'investissement pour que nous puissions le développer. Voilà, donc, bon, là, c'est des plantes à côté. Nous avons fait ces pépinières. Ils sont milliers de plantes, voilà. Vous avez vu. Donc, à ma prochaine vidéo, je vous demanderai de partager ces vidéos. Partager, c'est pour aider d'autres qui n'ont pas compris comment on arrive à avoir de la mandarine ici en Afrique, ici en Casamance. C'est de cette manière-là. Partager et nous allons nous entraider. Je ne suis pas un expert, mais j'ai envie que les gens investissent, voilà, investissent dans ce métier-là, dans le travail, dans l'agriculture, dans la plantation, ainsi de suite. Donc, partagez, abonnez-vous, cliquez encore sur cette touche de notification qui va vous notifier toutes mes vidéos. Merci beaucoup. Donc, vous voyez de l'autre côté également, tout ça, ce sont des pépinières. Voilà, ce sont des pépinières. Si vous avez besoin de conseils pour savoir quelle est la meilleure, quel est le meilleur, je vous donnerai mes conseils. Appelez-moi, mon numéro est sur WhatsApp. 77, c'est le 77 716 42 25. Merci beaucoup et bye bye.